C'était 22 heures à peine ce vendredi-là. C'était veille de Noël et pour fêter ça, il s'en allait chez Madeleine près du pont de l'Alma. Elle aurait eu tant de peine qu'il ne vienne pas fêter Noël. Smoking de velours vert, en col roulé blanc, et le cœur en bandoulière, marchant à pas lents. À pied, il longeait la Seine tout en sifflotant. Puisqu'il allait chez Madeleine, il avait bien le temps. Charmant Noël, charmant Noël. C'était 22 heures à peine ce vendredi-là. C'était veille de Noël, et pour fêter ça, elle s'en allait chez Jean-Pierre, près du pont de l'Alma. Il aurait eu tant de peine qu'elle ne vienne pas fêter Noël, fêter Noël. Bottes noires souveraines et gantées de blanc, elle allait pour dire je t'aime, marchant à pas lents. À pied, elle longeait la Seine tout en chantonnant, puisqu'elle allait chez Jean-Pierre. Charmant Noël, charmant Noël. Or voilà que sur le pont, ils se rencontrèrent. Ces deux-là qui s'en venaient d'un chemin contraire. Lorsqu'il la vit si belle, des bottes au camp, il se sentit infidèle jusqu'au bout des dents. Elle aima son smoking vert, son col roulé blanc, et frissonna dans l'hiver en lui souriant. Bonsoir, je vais chez Jean-Pierre, près du pont de l'Alma. Bonsoir, j'allais chez Madeleine, c'est juste à deux pas. Ils allèrent chez Eugène pour y fêter ça, sous le sapin de lumière, quand il l'embrassa. Heureuse, elle se fit légère au creux de son bras. Au petit jour, ils s'aimèrent près d'un feu de bois. Joyeux Noël, joyeux Noël. Mais après une semaine, ce vendredi-là, veille de l'année nouvelle, tout recommença. Il se rendit chez Madeleine, l'air un peu sournois. Elle se rendit chez Jean-Pierre, un peu tard ma foi. Bien sûr, il y eut des scènes près du pont de l'Alma. Qu'est-ce que ça pouvait leur faire à ces amants-là? Eux qu'avaient eu un Noël comme on n'en fait pas. Mais il est bien doux quand même de rentrer chez soi. Après Noël, joyeux